Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui, j'espère, va vous plaire. C'est tout simplement pour vous faire un room tour de la chambre de mon fils. Je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo. Je vous avais dit que j'allais vous montrer un petit peu comment j'ai installé la chambre de mon fils, la décoration, etc. Vous montrer un petit peu la déco de la chambre de mon bébé. Ça peut vous donner des idées si vous attendez un petit garçon. Enfin, je pense que c'est une chambre qui fait assez mix, mais... Moi je trouve que ça fait un petit peu plus garçon, donc si vous attendez un petit bébé et que c'est un petit garçon, je pense que ça pourrait vous donner quelques idées au niveau de la déco. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite. Là on se retrouve devant la porte de la chambre de mon fils et je vais tout de suite vous montrer donc l'intérieur comment c'est. On se retrouve derrière la porte, ici c'est un petit coussin, je sais pas comment ça s'appelle en fait, glingling, qu'on suspend en fait avec un petit clou, avec un petit nuage, petite étoile et tout. Je crois que je l'avais acheté chez Maison du Monde, je le trouve super beau. Donc voilà au niveau de la porte. Sur le côté ici j'ai une petite étagère en forme d'étoile où en fait j'ai mis tout simplement, je peux aussi aller voir en fait une boîte à dents pour ranger les dents de mon fils, donc pour moi il n'en a pas encore perdu, mais c'est une petite boîte à dents. Et voilà voilà, ici c'est tout simplement l'armoire de mon fils. Donc en bas ici vous avez un petit atelier, donc c'est un petit jouet, un petit atelier pour faire des petits travaux. Et au niveau du haut ici, donc j'ai un cadre qu'une amie m'avait fait pour mon fils et un circuit de course. J'ai une petite bougie de chez Salcity qui brûle, qui sent super bon. Vraiment, ça sent le raisin. Et ici, on a son armoire. Donc là, c'est un petit coussin de porte que j'avais acheté également chez Maison du Monde. Et quand on ouvre, donc ici, pour la première partie, c'est le côté penderie en fait. Où ici, je mets tout ce qui est pull, gilet, etc. Et en bas ici c'est tout ce qui est manteau. Et de l'autre côté c'est son armoire normale. Donc là c'est tout simplement les pyjamas. Ici c'est tout ce qui est t-shirt. Là c'est tout ce qui est jean et jogging. Et en bas c'est tout ce qui est short. Voilà un petit peu sa garde-robe dans son intégralité, comment elle est. Ensuite on passe à côté, donc ici j'ai trois cadres oursons qui viennent de chez Maison du Monde où c'est je te vois pas, je ne parle pas et j'entends rien. Je l'ai trouvé super adorable. Et ici c'est tout simplement un rangement à jouets en fait que vous pouvez retrouver je crois chez Verbaudet. Donc fallait acheter le rangement et les caissons, enfin les petites pochettes à part. Donc moi j'ai pris blanc et marron, mais vous pouvez vraiment faire les coloris que vous souhaitez. Et ça vous permet de ranger un petit peu tous les jouets de vos enfants. Ensuite ici j'ai tout simplement la fenêtre. Donc pour ce qui est des petites guirlandes, alors je sais pas si vous allez voir ce qu'il y a un contre-jour. Ici j'ai des petites guirlandes, ouais voilà, étoiles. Je les avais également achetées chez Maison du Monde, donc elles sont dans les tons taupe. Voilà tout simplement. Les rideaux sont blancs avec des petites étoiles taupe grises en bas ici. Je sais pas si vous allez voir, il y a un petit lapinou. Enfin voilà, c'est des rideaux dans les tons blancs et taupe. Et vous avez également la même guirlande de l'autre côté. Sur ce mur ici, c'est un cadre que j'ai acheté il y a super longtemps. Mon fils n'était pas encore né, donc je serais incapable de vous dire où est-ce que je l'ai acheté. Ou en fait, c'est on marque le nom de votre bébé. Le jour où il est né, combien il pesait, combien il mesurait, des petites photos, etc. Donc j'ai trouvé ça super adorable. Et ici j'ai un cadre que j'avais acheté chez Maison du Monde également, donc avec des petits oursons. Donc voilà, pour mettre des photos, je le trouvais super joli aussi. Ici on a l'ancienne table allongée de mon fils. Donc au dessus j'ai tout simplement mis une petite lampe à ourson. Là c'est un petit rangement où j'ai rangé ses premières chaussures, sa pince de cordon ombilical, etc. Enfin voilà, c'est des choses de mon bébé quand il était petit. Ici c'est un petit, je sais pas comment on appelle ça, mais je pense que vous voyez très très bien, qui fait des petites paillettes comme ça, on en voit souvent dans les magasins de souvenirs. Là c'est un petit ourson que j'ai acheté chez Maison du Monde également, et là c'est un petit panier et tout, je mets les ceintures. Là c'est tout ce qui est chapeau, bonnet, etc. Et ici j'ai l'armoire à mon fils. Donc au niveau de l'armoire, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc là c'est tout ce qui est drap, d'habitude il y a les couettes et tout. Là c'est les chaussettes, les caleçons. Et en bas c'est tout ce qui est chaussures. Donc voilà un petit peu pour le meuble de rangement. Voilà pour ça. Ensuite ici j'ai un autre cadre que j'ai acheté chez Maison du Monde. Donc c'est de la collection Teddy il me semble, je les trouve adorables. Et quand on continue en bas, j'ai tout simplement le lit de mon fils. Donc c'était un lit de bébé. Faut savoir que la chambre complète, donc le lit, la table allongée et l'armoire, je l'avais acheté à New Baby, je crois, pour 600 et quelques euros. Et c'est un lit évolutif, donc je l'ai mis en lit de grand. Donc il est assez petit, il ne pourra pas y rester très 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 longtemps, mais ça suffit pour le moment.
Et je lui ai également acheté une petite housse de couette comme ça, ourson teddy, que j'ai acheté sur Déco Bébé pour 70 € quelque chose comme ça avec les frais de port, que j'adore. Ici c'est un petit coussin pouf ourson. Enfin c'est plus un pouf en fait, mon fils peut s'asseoir dessus, que j'ai également acheté chez Maison du Monde. Pour ce qui est du tapis, c'est un tapis en forme d'étoile qui vient également de chez Maison du Monde. Et ici j'ai une grande étagère que j'ai depuis pas mal de temps, où là-haut j'avais acheté un cadre pour mettre les empreintes de mon fils et sa photo. Et là j'ai rangé pas mal de ses jouets. Donc ici c'est le livre de naissance, l'album photo, mon faire-part, tout ce qui est DVD Walt Disney, les petites voitures, les petits livres. Là c'est tout ce qui est pâte à modeler, peinture, Playmobil, etc. Là c'est encore pas de patrouille, des voitures et un petit camion. C'est vraiment tout ce qui est pour ranger ses jouets. Et sur le dernier mur ici, j'ai un petit cadre où c'est marqué Bonheur, qui vient également de chez Maison du Monde. De toute façon toute la déco vient de chez Maison du Monde principalement. Ici c'est la petite étagère que je vous ai montrée dans mon haul dernier, qu'une créatrice m'avait fait, que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, je trouve ça super joli. Au dessus j'ai tout simplement mis une petite bougie. Ça c'est un petit ourson mais en fait qui fait veilleuse. Alors attendez, voilà, ça fait veilleuse. Donc ça le soir je le mets à côté de mon fils au cas où s'il a peur ou quoi, parce qu'en ce moment c'est vrai qu'il fait pas mal de cauchemars. Ici c'est une tirelire qui est cassée et là c'est parfum. Ici c'était en fait un petit truc qui sentait bon, on mettait du parfum dessus et ça sent bon, donc des petits oursons. Et ici j'ai tout simplement le coffre à jouer à mon fils, donc je vais pas l'ouvrir parce que c'est un petit peu le boxon. Là c'est un petit coussin, malheureusement il est un petit peu cassé au dessus, mais un petit coussin comme ça t'es dit également. Et le coffre à jouer que j'ai acheté chez But, alors le prix exact je me rappelle plus, mais comme vous pouvez voir également j'ai la petite table qui est ici, que je vous ai montré également dans mon haul dernier, qui est de la même collection. Donc voilà un petit peu pour ça. Voilà un petit peu pour la chambre de mon fils dans son intégralité. Moi je la trouve trop 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 jolie, j'adore sa chambre. Ça fait encore bébé mais ça commence à faire petit garçon aussi. Et j'aime trop. Je trouve sa chambre adorable en fait, je trouve ça super joli. Et j'aime trop les couleurs. Les couleurs que j'ai choisies, puisque pour ce qui est du mur j'ai choisi une couleur blanche et ici une couleur taupe. Et la frise en fait, c'est des petits oursons avec des petits canards, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos si je la retrouve, parce que je sais plus où est-ce que je l'ai acheté, par contre elle est pas donnée. Elle est vraiment 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 pas donnée. Pour ce qui est du lustre, c'est un lustre taupe avec des petites étoiles qui vient également de chez Maison du Monde pour ceux que ça intéresse. Un petit peu pour la chambre de mon fils, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi en tout cas j'ai pris plaisir à vous la tourner. Moi j'adore la chambre de mon bébé, je trouve que c'est assez épuré, ça fait garçon mais en même temps ça fait pas trop garçon non plus. Et les couleurs comme ça dans les tons un peu marron taupe, beige avec le blanc, je trouve que ça change un petit peu justement du bleu que l'on peut retrouver très souvent chez les garçons. Moi je voulais vraiment faire quelque chose d'un petit peu plus neutre et c'est ce que je voulais et c'est ce que j'ai fait. Et je trouve la chambre vraiment très jolie, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la déco de la chambre de mon fils. Et j'espère que ça aura pu vous donner donc quelques idées pour vous, pour votre futur bébé. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.